Hello tout le monde, c'est Lélé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc j'ai vu que j'avais eu beaucoup de vues sur tout ce qui est fourniture scolaire et ma wishlist. Et je voulais faire une petite vidéo, même si vous ne me l'aviez pas forcément demandé, vous m'aviez pas forcément dit oui ou quoi que ce soit. Donc c'est comment s'est passée ma rentrée en moi. Donc vous devez sûrement le savoir, je suis passée en première STI 2D, option système information et numérique. Donc je suis au lycée Les Catalans à Montélimar. Et je suis rentrée en première en fait. Et je suis dans une classe où je suis la seule fille. Donc c'est vrai que en fait ça m'a pas forcément surprise parce que j'étais au courant qu'il y aurait eu que. Enfin il n'y aurait pas eu beaucoup de meufs. Mais je pensais qu'il y en aurait au moins une, donc on aurait été au moins deux, mais bon, c'est pas si grave que ça. Je me suis fait déjà quelques potes, etc. Donc au final ça va très bien. Je me fais pas non plus charrier ou à moitié critiquer dans la classe parce que je suis la seule fille, donc de ce côté là ça va vraiment. Après du côté du lycée, ça va aussi. C'est vrai que moi je prends le bus le matin et le soir. Donc par exemple si je prends le lundi, je dois me lever à 6h pour aller prendre mon bus à 7h, vers 7h à peu près, pour arriver au lycée vers 7h40, un truc du genre. Et le soir, quand je finis au plus tard 18h, il faut que je prenne mon bus à 18h au Catalan. Et je rentre chez moi, il est 19h on va dire à peu près. Donc en gros ça fait des journées longues, mais en même temps ça me plaît, donc je vais pas me plaindre. Pour le moment ça a l'air d'aller, c'est pareil pour les profs, ça a l'air d'aller. Après voilà, moi je suis pas... Il y a certains profs que je vais pas forcément aller les voir si j'ai des problèmes parce qu'ils me mettent pas en confiance, donc par exemple prof de maths il me met extrêmement en confiance, donc j'essaie de participer le mieux possible. Donc voilà. Donc après par rapport à la cantine, en fait au lycée il y a une cafette et un self. Donc le self il faut badger avant 10h, donc c'est le self, c'est le truc normal en fait. Et la cafette c'est plus cher et il faut pas badger, donc par exemple si vous voulez le menu le plus gros, donc vous avez entrée, plat, dessert et produits laitiers on va dire, sauf que en fait le plat c'est hamburger frites tous les jours hein. Sauf que c'est 5€ en fait le repas, donc je dis pas que c'est excessif, mais au moins ça évite que les gens vont manger que là bas quoi, parce que sinon tout le monde irait manger là bas et puis y aurait personne de self en fait. Donc voilà. Pour le moment, ça a l'air d'aller. On est le mercredi 16 septembre. Et du coup, on est l'après-midi. Hein. J'ai pas cours. Pour le moment, ça va aussi par rapport aux devoirs. Ça a l'air d'aller. On a juste eu un contrôle en français. Donc, j'ai eu 14,5, il me semble. On a eu un petit TP en Chine qu'on sera la note que 2 mois plus tard. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et puis après ça se passe bien. On va dire que si j'ai des problèmes, j'ai Rox ou j'ai des gens du serveur qui peuvent m'aider, ou bien il y a les gens de ma classe, donc j'hésite pas à leur demander si jamais ils ont compris et tout ça. Donc voilà, donc vraiment ça se passe très très bien. Et je sais que normalement j'aurai les mêmes personnes l'année prochaine, donc du coup ça me stresse un peu moins. Aussi une chose, à la fin de l'année, donc là j'essaye à peu près de faire des vidéos comme d'habitude dans la semaine, 3 vidéos par semaine, etc. Mais si jamais vers juin, juillet, je suis pas trop là, enfin si vous avez pas des vidéos le mercredi ou des trucs comme ça, c'est normal, je passe le bac de français et le bac d'histoire.
Donc j'aurai peut-être pas le temps d'être là. Et puis au mois de juillet, normalement, j'ai des choses de prévues et tout ça. Donc je sais pas si ça va être possible. J'essaierai de faire des trucs à l'avance, mais je suis pas sûre. J'avais envie de vous faire un petit let's play sur un jeu, sauf que bah, j'ai un peu du mal avec. Je sais pas si c'est mon PC ou pas, mais en fait, Xsplit il marche très bien, je filme et tout. Là, c'est pareil, je filme avec Xsplit. Mais en fait, quand je regarde la vidéo, il y a tout qui saccade dans l'animation. Du coup, bah, je sais pas si je vais la mettre quand même. Enfin, si je filme quand même ou pas. Ou bien je regarde d'autres jeux, mais ça me fait un peu chier parce que j'ai un peu payé le jeu, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de regarder une solution parce que je crois que c'est à cause de. En fait, si vous voulez, j'ai 8 Go de RAM, mais il les prend pas en compte, j'ai l'impression, mon PC. Du coup, il se met au maximum. En fait, ça fait 100% du processeur, mais il utilise que 2 Go de RAM, donc j'ai pas trop compris, mais bref. Je verrai ça, je demanderai à voir que c'est tout ça. Donc voilà, donc c'est pareil, mais si vous avez des questions en rapport avec ce que je veux faire ou des trucs comme ça, même si j'ai déjà répondu sur une vidéo FAQ, et si vous avez des questions par rapport à l'école, si jamais il y a des gens qui habitent près de chez moi et qui veulent aller au Catalan, n'hésitez pas à m'envoyer des petites questions, ça ne me dérangerait pas de vous répondre. Voilà. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, tout se passe bien pour le moment. Je vous en peut-être reparlerai vers la fin de l'année pour savoir comment s'est passé mon bac et tout ça, si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, enfin un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, mais mettez des critiques constructives. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, ça me fait plaisir de répondre. J'adore, ça m'éclate et tout. C'est pour ça que j'en ai pas des tonnes, du coup ça me. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais ça me. J'aimerais bien en avoir plus, comme ça je puisse répondre et tout, j'aime bien. Donc voilà. Et puis du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.